Salut à tous! Je vais tenter de vous présenter dans cette vidéo une liste d'à peu près une dizaine de chansons qu'on peut espérer jouer en première année quand on est armé de ses accords et de ses grattés de base. Je vous les ai représentés ici sur le tableau. Attention, c'est écrit petit. J'ai mis les six accords de base: Mi mineur, Sol, Ré, La mineur, Do, et Fa ou Fa majeur 7 pour les débutants. On va les jouer ensemble. Donc imaginons que vous ayez tous vos accords. Le Mi mineur, le Sol, le Ré, le La mineur, le Do et le Fa. Et que avec la main droite, vous sachiez faire vos grattés de base. C'est-à-dire les grattés qui utilisent que des couverts le bas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui revient à peu près au même. Le deuxième gratté de base, bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut, haut, bas, ou bien le troisième gratté de base, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On suppose que vous avez dans la main gauche tous vos accords, que vous les connaissez, que vous savez passer de l'un à l'autre dans n'importe quel sens, et que vous savez avec la main droite jouer avec ces grattés de base. Donc, supposant cela, vous allez savoir en fin de première année, normalement, à peu près, savoir jouer cette dizaine de morceaux que je vais essayer de vous chanter, de vous jouer et de vous chanter. Petite parenthèse, qu'est-ce que c'est un bon morceau de débutant? La liste que j'ai choisie, ce n'est pas forcément quelque chose qui correspond à mes goûts exactement, même si j'ai rien contre les Trois Cafés Gourmands ni contre Grégoire. Il se trouve que les morceaux qu'on va jouer sont pratiques. Pourquoi ils sont pratiques? Parce qu'ils utilisent des boucles d'accords, de souvent quatre accords, une boucle de quatre accords. Qui tourne en rond en fait sur un gratté qui ne change pas du début à la fin, un gratté qui est toujours identique, ce qui permet au bout d'un moment de ne pas trop se concentrer sur ce que fait la main droite, et des accords qui tournent en boucle aussi, ce qui permet d'avoir des automatismes qui arrivent rapidement. D'accord? On a des enchaînements d'accords qui continuent de haut en bas de la chanson et qui permettent même parfois, pour ceux qui sont un peu doués, à essayer de chanter, de chanter la chanson. Ce qu'il va vous falloir aussi, c'est un capot. Parce que le capot permet de se hisser à la hauteur de chant originelle du morceau. Ce qui n'est pas pratique pour moi d'ailleurs, hein, parce que là, je vais essayer de vous chanter les chansons comme elles sont originalement. C'est-à-dire que parfois, ça ne correspond pas du tout à ma voix, quoi. Mais c'est pas grave, j'affronte un petit medley de ces 10 chansons débutants. La première. Zombie de Cranberries. But you see, it's not me, it's not my family. In your head, in your head, they overdrink with the tears in their bones. Sent the girls, in your head. Radioactive de Imagine Dragons. I'm waking up to ash and dust. I whip my blow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. To the new age, welcome to the new age, to the new age, oh, 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 I'm ready, I'm
troisième morceau. Un autre. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Don't worry.
Qu'est-ce qu'il nous reste? Allez, on va faire deux morceaux avec le gratté. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Casser la voix avec le même gratté. Et il me semble qu'il y en a un petit dernier, si j'en ai pas oublié. C'est Bob Dylan, Knock Knock Knock, Knocking on Heaven's Door. Si j'en ai pas oublié, une liste d'à peu près 10 morceaux qu'on peut jouer, comme je le disais, avec les 6 accords de base et les 3-4 grattés de base. 2-3-4 grattés de base. En plus, sur une guitare plus ou moins désaccordée, sur des chansons qui correspondent pas, quasiment pas à ma voix. Mais c'est pas grave, voilà ce que vous pouvez espérer jouer en première année. J'espère que ça vous a titillé, donné l'envie d'aller plus loin. On se retrouve bientôt donc pour affronter le premier morceau de débutant, Zombie des Cranberries. Ciao, à bientôt.